On est sur un projet qui pèse à peu près 1,4 milliard d'euros avec 4 stations qui va faire à peu près 5 km de longueur et qui va pouvoir transporter 40 000 voyageurs à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes à la station, la future station Pont-Cardinet de prolongement de la ligne 14. Ce prolongement de la ligne 14, il va aller de Saint-Lazare jusqu'à Mairie de Saint-Ouen dans un premier temps, et puis ultérieurement jusqu'à Pleyel, qui sera un très très gros pôle d'échange du réseau de transport francilien, et puis au sud jusqu'à Orly. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour ce projet, puisque c'est le baptême du tunnelier qui va creuser depuis Pont-Cardinet jusqu'à Saint-Lazare dans un premier temps, puis qui sera retourné et qui remontera pour aller creuser jusqu'à Clichy-Saint-Ouen. Donc des financements qui sont réunis de l'ensemble des partenaires. Vous avez la région, vous avez les départements, la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, le département des Hauts-de-Seine. Vous avez l'État à travers la Société du Grand Paris qui amène également des financements. Et c'est l'ensemble de ces financements qui permet de réunir 1,4 milliard. Vous vous rendez compte, j'arrondis un peu, mais 1,4 milliard pour l'ensemble du projet.